Bonjour chers compatriotes, bonjour les amoureux du Congo, c'est toujours votre humble serviteur Faye Monama, le fils de la promesse, le soldat du peuple, le combattant de la diaspora, le vainqueur des défis. Ma belle et ma tia tembe basuka bango tembe bisonko. Libanga oyo bango babete la galiba kunga yoyo jamais kobanga. Chers amis, chers compatriotes, aujourd'hui nous sommes samedi le 11 février 2023. Il est à ma montre 10h moins 3 minutes. Je vous fais cette petite vidéo pour vous donner encore, pour éveiller encore les consciences de nos compatriotes via WhatsApp, parce qu'on a changé un peu les canaux. On s'est dit qu'il y a d'autres trucs, on va dire, sur Facebook, là où on est suivi par l'opinion nationale et internationale, mais sur WhatsApp, on se base plus à informer, à édifier nos compatriotes du Congo Brazzaville. Donc, d'où on a cette facilité-là de se partager ce genre de petites vidéos via WhatsApp. Voilà. Donc, je viens ce matin pour vous éveiller encore, pour attirer votre attention, pour vous dire encore, chers amis, chers compatriotes, comme on le dit toujours chez nous, on ne fait pas la diffamation, on ne diffame pas sur les gens. Ici, on ne salit pas des gens pour avoir des miettes pour pouvoir payer nos loyers. On ne diffame pas des gens pour se faire de la place au soleil, comme on le dit. Voilà. Mais ici, on vient ici pour édifier le peuple. On vient ici pour avertir le peuple de ce qui se passe ou ce qui les gens
malsains ou des gens diaboliques qui veulent faire sur nos peuples, surtout pour les Congolais. Voilà, parce que moi je suis plus fixé sur le Congo, mais cela ne nous empêche pas d'analyser sur la situation de l'Afrique, de la géopolitique. Voilà. Donc ici, ce matin, chers amis, chers compatriotes, j'aimerais encore rassurer à nos compatriotes d'être calmes, de ne pas se dire que non, parce que la requête qui a été demandée, la requête via le FMI qu'on est en train de voir pour accorder 70 millions de dollars aux voyous de Denis Sassou Nguesso et son clan, qu'ils sont en train de les... C'est vrai, ils sont en train de les désalimenter, chers amis, chers compatriotes. Donc, je vous dis, il faut bien suivre les informations pour mieux comprendre ce qui se passe réellement. Est-ce que vous voyez un peu? Il ne faut pas qu'on arrive toujours à vouloir titiller, à vouloir accuser, mais il faudra qu'on arrive à analyser pour pouvoir comprendre les enjeux et nous, à notre, de notre côté, qu'on puisse en profiter des failles, qu'on puisse en profiter parce qu'il y a toujours, donc, comme on dit toujours, il y a le yin et le yang, il y a le mal et le bien, il y a toujours le mal et le bien dans ce monde, donc il y a toujours une place là où, au côté, là où les gens se disent que non, on est en train de ravitailler Denis Sassou Nguesso. Nous avons vu où il y a des failles et que nous pouvons travailler là-dessus pour faire retourner la situation. Et je salue déjà tous ceux-là qui travaillent dans l'ombre. Je vais vous prendre un exemple et je veux vous réitérer. Chers amis, chers compatriotes, je le dis et vous allez le voir, vous allez le constater. Les 78 millions de dollars a été ordonné et non par la France, parce que vous le savez très bien, le FMI est géré par les Américains. Le FMI, c'est pour les Américains, on doit dire ça comme ça. Mais en France, ici, c'est la France qui donne ça, qui autorise aussi. Mais tant que les États-Unis diraient niet, le FMI ne peut pas décaisser de l'argent. Donc la France ne peut pas autoriser, le décaissement de ses fonds. Est-ce que vous comprenez? Tant que les États-Unis ne décident pas, la France peut décider et les États-Unis peuvent refuser. Mais les États-Unis, la France peut accepter et les États-Unis peuvent refuser. Mais la France peut accepter, les États-Unis peuvent refuser. Est-ce que vous voyez un peu cette nuance? Ce qui signifie que les États-Unis, vous le savez tous, que c'est le seul pays pratiquement aujourd'hui qui décide sur beaucoup des trucs qui se passent, ce qu'on appelle la géopolitique. L'exemple est palpable. Quand on essaie de voir le décès de la reine de l'Angleterre, le seul président qui a été accordé de venir avec ses gardes-corps, avec sa voiture, c'était le président des États-Unis. Tout le reste, même le président Emmanuel Macron était dans le bus. D'accord, ça c'est juste pour vous montrer la dimension de l'influence des États-Unis sur ce qu'on appelle le FMI. Donc sur l'argent du FMI, chers amis, chers compatriotes, je vous rassure ici, même si on donnait l'argent à Denis Sassou Nguesso, même si on décaissait des 10 milliards, combien nous devons à la Chine? Plus de combien de milliards que nous devons à la Chine? Est-ce que cela a changé la vie des Congolais? Zéro. Est-ce que cela a construit des entreprises? Zéro. Est-ce que cela a amélioré la santé, les hôpitaux? Zéro. Aujourd'hui, nous, ce qu'on appelle par la dialyse coûte vachement cher. Même pour mettre des tuyaux, les gens dépensent 12 000 par semaine. Dites-moi, la dialyse, là, ça se fait combien de fois? Combien de séances en un mois? Si ça se fait 4 fois en un mois, chaque semaine, il faut changer des tuyaux. Les parents qui sont au pays, ils ont un salaire de combien? La dialyse, juste. Pour vous dire combien de fois que l'argent qu'ils ont déjà reçu du FMI, ils n'ont rien fait avec. Ils n'ont rien développé au Congo. Ils nous parlent. J'ai vu Jean-Jacques Bouillard venir exhiber pour dire que les années à venir, ce sont les années décisives. Décisives en quoi? Hein? Parce que tout simplement, il est content de l'argent qui sera décaissé du FMI. Parce qu'il faut savoir un truc. À chaque fois qu'on décaisse l'argent, on nous prête de l'argent. Parce qu'on nous prête. On nous met sous les dettes. À chaque fois que on prête de l'argent au Congo-Brazzaville, eux, ils se le partagent, cet argent. Ça ne va pas dans la construction des entreprises. Ça ne va pas dans les hôpitaux ou en construisant des universités.
Est-ce que vous voyez? Et ils se le partagent cet argent. Denis Sassou Nguesso dit, c'est moi le chef. C'est moi qui vous protège. C'est moi qui protège, comment on appelle? Qui maintient le Congo dans les crimes. Donc, il n'y a que moi qu'on écoute. Donc, moi, je prends ma part. Bouya prend sa part. Okemba prend sa part. Kiki prend sa part. Et Tel prend sa part. D'où Jean-Jacques Bouya nous parle des deux tours jumelles que voilà. Que les années à venir, ce sera une année, ce sera des années décisives. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il attend à bras ouverts qu'on lui donne aussi, quand on va prendre l'argent, qu'on verse un budget à son ministère, des bandits comme ça, des voyous. Et vous le savez, les tours jumelles qu'on parle là, ces tours jumelles-là, ça n'était pas construit par l'argent. On s'est endetté auprès de la Chine. C'est pas l'argent du Congo, c'est un endetté auprès de la Chine pour construire ces tours jumelles-là. Tout ce que nous avons au Congo-Brazzaville, si les Chinois décident de nous les ravir ou de nous ravir une partie du Congo, ils vont le faire parce que nous sommes que sous dette. Et c'est pas là le sujet, j'aimerais rappeler aux Congolais ici de rester calmes, chers amis. Aujourd'hui, les États-Unis voient la dangerosité de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso continue le chantage. Et je vous avais dit, le chantage qui se passait entre la France et le Congo-Brazzaville, c'est parce que la France, d'un côté, ne voulait pas ravitailler Denis Sassou Nguesso. Mais vous savez, la vraie question, c'est que c'est les États-Unis qui a peur plus que l'Afrique centrale se bascule auprès de la Russie. Et Denis Sassou Nguesso avait bien joué son coup depuis belle lurette en invitant le ministre des Affaires étrangères russe au Congo-Brazzaville. Parce qu'il savait, en faisant ça, il veut démontrer à ceux-là qui l'ont mené au pouvoir, à la France et aux États-Unis, ah, si vous blaguez. Et quand il a fait ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé le président, comment il s'appelle, de la Guinée, du Togo, Félix Tshisekedi, qui est encore là, du Zimbabwe, si je ne me trompe pas, le président là. Est-ce que vous comprenez? Et quand il a fait ça, il voulait juste lancer l'appel. Comme font des petits voyous sur la place de Paris, les appels de pied, des appels de pied pour pouvoir faire décaisser de l'argent à ce régime incompétent, à ces gens irresponsables du Congo-Brazzaville. Donc c'est les mêmes méthodes que Denis Sassou Nguesso a donné à ces voyous qui n'aiment pas travailler, les paresseux sur la place de Paris. Donc Denis Sassou Nguesso, comme c'est le col du PCT, est-ce que vous comprenez? Donc en faisant ce chantage aux Américains, aux Français, en disant faites attention, moi je vous demande de l'argent, vous ne voulez pas me prêter de l'argent, à bientôt on va basculer. Et moi, si je bascule, la sous-région sera en danger. Est-ce que vous voyez, si je bascule, la sous-région sera en danger et ils vont se diriger vers la Russie. Est-ce que vous comprenez? D'où vous avez vu le sommet de Joe Biden avec les États africains? Qu'est-ce que Joe Biden a fait? Pour éviter que l'Afrique centrale bascule vers la Russie, il demande l'ouverture, il demande un peu qu'on ouvre les portes du FMI auprès des pays. Comment on appelle, en voie de développement, comme eux ils le disent. Est-ce que vous comprenez? C'est pas l'argent qu'on donne aux Congolais qu'on va effacer. On a eu cette chance là, cela ne va plus se réaliser. Il y a eu un moment, on avait effacé les dettes du Congo Brazzaville. Est-ce que vous comprenez? Mais actuellement, c'est les dettes aujourd'hui, quand même le FMI ouvre les portes sous l'ordre des États-Unis, les Chinois voient ça d'un œil bizarre. Les Américains voient ça d'un œil bizarre. Donc, les États-Unis, quand ils font ça, ils ne veulent pas que les pays de la sous-région, de l'Afrique centrale, puissent se basculer auprès de la Russie, vers la Russie. Mais ce qu'ils oublient, c'est que, en faisant ça, sans pourtant changer, ceux-là qui salissent l'image de la France, des États-Unis, ça pousse encore une conviction plus forte et profonde aux Africains qui voient la politique américaine ou française détruire nos États. Et ça fera ce que le jour que ça va basculer, ils ne vont pas s'attendre à ça. D'où, moi, je n'en veux pas. Cela,
qui disent que non, aujourd'hui on en a marre de cette politique de la France-Afrique. Mais c'est parce que la France, les États-Unis ne voient pas le danger au fait. Ils continuent à maintenir, à donner de l'énergie à Denis Sassou Nguesso. Mais ils le savent très bien que non. Même la France le sait très bien que non. Ils n'étaient pas d'accord sur cette approbation. Mais comme c'est les États-Unis qui ordonnent, qui commandent, voilà pourquoi on a ouvert les portes. Mais cela donne encore la force et la conviction à ces Africains qui veulent changer leur partenaire, mais de foncer là-dessus. Donc j'aimerais dire aussi aux Congolais qui travaillent sous terrain, qui veulent changer des choses, cela veut dire qu'ils ont peur du travail que vous faites en coulisses. Ils ont peur du travail que nous faisons. Voilà. Et je vous dis, chers amis, avec la France, comme je le dis toujours, ou sans la France, ça va changer. Et j'aimerais attirer l'attention des Gabonais. Je ne suis pas pour Ali Bongo, parce qu'il y aura un sommet qui va se tenir au Gabon. Je vous répète encore, je ne suis pas pour Ali Bongo. Mais Ali Bongo a compris la politique française. D'où aujourd'hui, vous allez voir peut-être un jour, ils vont vouloir remplacer une personne qu'ils pourront avoir la totalité de contrôler. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'actuellement, ils n'arrivent pas à contrôler Ali Bongo à 100%. La France, ce que la France pourrait faire pour apaiser le peuple congolais, je le dis ici, parce que ça viendra. Le basculement viendra. Ce que la France, ce que les États-Unis peuvent faire pour changer, pour apaiser les peuples africains, c'est de revoir, c'est de dégager proprement leur sous-préfet pour apaiser le peuple, pour que ceux-là qui vont prendre le pouvoir puissent travailler avec des gens compétents, puissent travailler ensemble pour le développement de leur pays. Et je vous dis, vos intérêts seront toujours protégés. Et les intérêts d'Africains aussi viendront aux Africains, à ces peuples-là. Mais si vous croyez pouvoir maintenir ces dictateurs, ok, pour opprimer encore ce peuple, dites-vous, le temps viendra que ce que vous attendez pas, c'est ce qui va arriver. Là où vous en attendez pas, là, c'est ce qui va arriver. Voilà. J'en ai terminé, chers amis, chers compatriotes. Continuons le travail. On est en train de voir le bout du tunnel. Et Denis Sassou Nguesso sait très bien le chantage qu'il fait à la France, là, aux États-Unis, aux Américains, là, est plus dangereux, même pour sa propre vie, même pour la vie de ses enfants. Et j'ai aussi appris que, chers compatriotes, il y a un circulaire qui demande aux policiers ou aux soldats qui sont déjà à l'âge, qui ont déjà l'âge de la retraite, de partir en retraite. Parce qu'il y a eu, où il y a des gens dans l'armée, dans la police, qui devraient aller à la retraite depuis. Mais, bazo kangama, bazo tingamana. Nabana bino, tozalana, ma source d'information entre ma colonne abissou. Vous comprenez, hein? Là, si les gens doivent aller à la retraite, peut-être le papa de paresseux aussi, d'ici peu du temps, doit aller à la retraite. Le papa de paresseux, c'est Jean-Dominique Okemba. Mais Ndenge aussi va aller à la retraite. Est-ce qu'ils vont accepter? Point d'interrogation. Est-ce que ce n'est pas le début des problèmes? Point d'interrogation. Je ne vais pas donner plus de détails ici, chers amis, chers compatriotes. Je vais m'arrêter là, comme je l'ai dit toujours. Merci à tous ceux-là qui nous soutiennent, parce que le combat est devenu financier. Voilà. Et vous savez très bien que j'ai 6 085 € à payer pour les enfants choléra, pour certains enfants choléra. Ok? Et j'ai 30 000 € à payer. Mais j'avais pris déjà l'engagement, parce que nous, on n'attend personne. On travaille pour se nourrir. On ne travaille pas pour devenir mouton. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à nous plier. Voilà. Et j'avais pris les engagements. Je suis pratiquement à 1 060 € que je suis en train de payer doucement. Merci à ceux-là. Pour me contacter, vous connaissez mon numéro qui est sur ma page. Parce que la cagnotte qu'on voulait faire pour faciliter tous les gens qui sont un peu plus loin
de la France puissent contribuer, les ennemis du peuple ont signalé, parce qu'ils savent que non, si faille, les Congolais ont pu déplacer les avocats pour nous et le groupe La Vérité, rien que La Vérité. Merci encore pour le soutien, merci encore pour le travail, merci encore à ces papiers et les mamans là. Ils savent que non, si aujourd'hui les Congolais contribuent et que ils arrivent à payer ces amendes là, ça va donner encore la force et le courage à d'autres compatriotes, à d'autres jeunes qui croient à ce combat que nous faisons, ben de venir, même à ces jeunes-là qui sont un peu réticents, de venir au combat pour dire que non, si on fait le combat, on aura le soutien du peuple congolais. Ce qui est normal. Ce qui est normal, chers amis. J'ai des très bonnes nouvelles que je vous garde là, chers amis. De Paris, je vous dis bien, de Paris à Brazzaville, il y aura des tripes qui vont trembler. Voilà. Parce que l'information, c'est nous. Voilà. Il y aura des... On a des bons dossiers comme ça. Mouah. Donc, chers amis, pour tous ceux-là qui aimeraient nous soutenir, vous avez mon numéro, contactez-moi WhatsApp. Vous avez mon nom et prénom que je vais faire circuler là-dessus aussi avec cette petite vidéo. Ça ferait du bien. Ria, Monogram, Western. Voilà. Vous envoyez un mandat, ça ferait du bien pour votre contribution. Merci en tout cas. En ensemble, et excellent week-end à tout le monde. En ensemble, Lingeta.